je peux dire sincèrement, cette année même, il y en a tellement de magogie dans le propos élection. Alors, majorité des personnes sont vraiment déçues à cause de ce gouvernement-là, hein, qui leur donne d'envie, etc. Je ne voulais pas le dire, mais c'est vraiment décourageant. Et quand les gens entendent parler de l'élection, pour soi-disant voter un candidat. Parce que normalement, la population a découvert que les gens n'ont pas vraiment un objectif pour le pays, mais ils viennent pour juste s'enrichir, sortir et pour grimper l'échelle des millions, l'échelle milliardaire. C'est-à-dire, ils ne pensent pas à la population pour dire, ok, si on fait ceci, si on négocie ça, et ça va tourner mal pour la population. Ils ne pensent jamais à ça. Mais quand il s'agit de campagne électorale, alors il vient toujours pour dire, ok, nous voulons t'aider, nous voulons faire ceci. Les autres gouvernements qui sont passés n'avaient pas assez travaillé pour vous. Mais nous sommes le vrai patriote. Nous sommes le vrai patriote. Alors, c'est nous qui va faire une chose meilleure pour vous. Et maintenant, ils ont un slogan pour dire voter nan bon boa. Ça se dit en français, voter dans la vraie partie, c'est-à-dire la partie sensible. Mais non, le vrai objectif se cache à l'intérieur de leur tête. C'est-à-dire, dans cette période-là, on peut voir tous les dons des candidats. Parce que normalement, même quand ils sont des monstres, ils ont s'efforcé de cacher le monstre qui existe en eux avec des sourires. Ils sont masqués, hein, ce monstre en présentant une image forcée, qui se force à sourire, hein, pour faire, c'est comme pour capter la population, pour dire ok, avec cette sourire et vous devez espérer de meilleures choses. Mais pourtant, quand la population livre leur cœur entre ses mains, alors ils profitent l'occasion pour leur piétiner, hein, pour leur tordu, pour trouver le reste de... Waouh! Oui. Alors, normalement, il était... Je vais vous expliquer une histoire pour savoir mieux comment ça se déroule. Exactement, j'ai un grand frère qui s'appelle Johnny. Il vit toujours à Simon et moi. Je ne peux pas supporter la chaleur qui existe dans cet endroit. C'est-à-dire, quand je parle de la chaleur, c'est la crise politique qui existe. C'est-à-dire des tirs partout, chaque jour. Hein? Chaque jour, des personnes meurent. Hein? Des personnes meurent. Et Johnny m'a appelé la semaine dernière. Il m'a appelé la semaine dernière à 1h du matin pour me dire, mon frère, et tu vois, je t'appelle à 7h. Et à cette heure même, je suis sous les étoiles. Et je demande pourquoi, mais je lui ai demandé, mais pourquoi, comment ça? Est-ce qu'il y a du feu dans la maison ou autre? Parce que je savais
Je sais qu'il a sa femme et ses deux fillettes. Et je lui ai demandé, mais à cette heure, où sont les autres, votre femme et vos filles? Alors, il me dit que les gens de Simon, c'est-à-dire, je t'expliquais tout à l'heure pour dire, et Simon a inclus PCS, Pélé. Ça, c'est comme un seul endroit. Mais à l'intérieur de ce quartier-là, il y en a des petits quartiers qui existent. C'est-à-dire qui portent d'autres noms différents. Il s'agit de Sim et de PCS et Pélé. Alors, on a entendu parler de guerre à Simon. C'est Pélé contre Simon. Exactement. Pélé contre Simon. Pourtant, c'est un seul lieu. Johnny m'a appelé pour dire, mon frère, les gens, les chimères, on peut dire chimères, hein? C'est comme ça et on leur nomme. Les gangsters, les chimères qui vivent à Simon se débarquent dans mon endroit. Alors, ils ont tué des dizaines de personnes au cours de la nuit. C'est comme ils ouvrent leurs portes et pom, pom. Et surtout pour les jeunes gens qui habitent dans cet endroit. Quand ils ouvrent la porte, ils disent, OK, où est le jeune gens qui habite ici? Alors s'il y a un jeune comme moi, il le tue. Alors, c'est la raison pour laquelle tous les gens du quartier de mon frère, en parlant de PCS, et sont partis. Ils fuirent dans les rues. Parce que les gens, pour sauver leur vie, mon frère et sa femme, ses enfants, fuirent dans les rues. Ainsi que les autres voisinages qui ont eu de la chance de déplacer. Alors c'était vraiment triste quand j'entends cette nouvelle. J'étais vraiment frustré et je passais toute la nuit, hein, en ouvrant mes yeux et pleurer amèrement pour cet endroit.